Mon établissement, c'est une superficie d'à peu près 30 hectares. Hein. Là-dessus, bah, j'ai deux bâtiments pour les box, quoi. J'ai un barn de 12 stabulations et puis un autre barn de 30 box. J'ai des box à côté aussi, à l'extérieur. Et puis, bah, on fait comme tout le monde, on a fait des paddocks un peu partout avec des cabanes, quoi. J'ai une quinzaine de paddocks cabanes. Hein. Et puis des champs pour mettre les choux repos. Voilà. Après, j'ai deux pistes. J'ai ma piste ovale qui fait 980 mètres avec une ligne droite qui est greffée dessus en montant. Donc, j'arrive à faire du fractionné de 2000 mètres, quoi. T'as presque 600 courses de gagner, Gilles, et pourtant on te connaît pas très bien. Est-ce que c'est. Est-ce que t'as. Il y a un problème de médiatisation avec toi, ou est-ce que c'est toi qui préfère te mettre au recul par rapport à ça? Ouais, bah moi je me suis jamais senti tellement. Tellement à la hauteur, peut-être, j'en sais rien, je sais pas. C'est pas tellement une chose que je recherche la caméra, quoi. Hein? Pourtant, tu es l'idole de certaines personnes. Ah ouais, ouais. Ouais, bah peut-être pas assez. Non, non, c'est possible, j'en sais rien. Oh, non, oui, on a fait la carrière qu'on a fait. Moi, je me plains pas. Hein. J'ai bien tourné pendant un moment. Il aurait peut-être fallu que je continue, je sais pas. Mais j'ai été pris après par l'entraînement parce que j'ai eu la chance dès le départ, en m'installant, de toucher des bons chevaux. Donc, il a fallu s'en occuper. Bon, alors maintenant, quand un propriétaire vous envoie un cheval ou des chevaux chez vous à entraîner, ben, c'est pour que vous les entraîniez, hein. C'est pas pour aller faire la drive à droite, à gauche tous les jours, surtout avec le nombre de courses qu'il y a aujourd'hui. J'ai fait des semaines où je montais tous les jours à Paris pour driver. Voilà, je travaillais ici et je prenais ma voiture pour aller à Vincennes. J'ai souvent fait pour mener un cheval. Bon, ça on le fait au départ, on a peut-être le feu sacré où on veut absolument porter la casaque parce qu'on est mené par ça. Et puis peut-être que ça disparaît un petit peu avec le temps. Voilà, et j'avais la chance en plus d'entraîner des chevaux, d'avoir des clients. Donc je me suis plus spécialisé peut-être dans l'entraînement. Et puis après, j'ai voulu des chevaux à moi. Donc bah c'est voilà, il faut les entraîner, il faut travailler chez vous. Et ça vous laisse beaucoup moins de temps d'aller aux courses. Et quand vous allez déjà aux courses 3 ou 4 fois par semaine pour vous, bon, vous n'allez pas y aller en plus pour les autres. Alors à partir du moment où vous y allez plus en plus, bah, c'est tout simple. Après, on ne vous appelle pas en plus. Ouais. Le personnel à l'écoute, c'est important. Hein. Oui, tout le temps. Tout le temps, faut rien relâcher, tout n'est fait que de détails. Donc, si tu laisses partir dans tous les sens, ou que chacun fait sa petite sauce, ou que machin, c'est mort. C'est mort.
C'est, tout n'est fait que de détails. Et c'est à force de détails qu'on arrive au bout de la chaîne et puis que la course arrive et qu'on peut être performant. Tu as eu une période faste dans les années 2000, on va dire, 90 ouais. à 2000. Ouais. Et puis après, il y a eu une petite traversée du désert. Est-ce que c'est également dû au passage de la monte en avant? Est-ce que ça t'a ah oui. fait mal? Ah bah oui, oui, on n'a plus été à la mode du tout. Hein, on a résisté, puis de toute façon, avant, il n'y avait que ça. Alors, donc on le faisait. C'est comme ça qu'on a appris à monter à cheval, je veux dire. Donc, est-ce que c'était la bonne maintenant? J'entends des gars qui crachent un peu sur cette façon de monter. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a chaque période a sa façon de faire, quoi, c'est tout. Hein, alors après, bah, la monte en avant, c'est l'évolution, bien évidemment. Oui, là on s'est fait carrément botter le cul, oui. Alors bon, moi, je pesais pas lourd dans la balance. Hein, y avait bien meilleur que moi, hein, parce que. Mais oui, non, arrivé un moment. J'ai dit stop, moi, parce que j'avais l'impression que j'allais prendre des tomates en passant, en plus. Donc j'ai dit, bon, ben non, vire-toi, laisse faire les autres, parce que là, hein, avec cette façon de monter là, on a bien vu que ça libérait les chevaux tout de suite, et puis qu'ils s'en allaient avec des chevaux bien mis, ils montaient en avant. Les gars, ils gagnaient forcément 2 secondes sur vous. Donc, hein, on sortait des cordeaux, et puis on prenait déjà 20 mètres, donc c'était pas possible, quoi. Le temps qu'on leur court après, ils nous redémarraient sous le nez en train de ligne droite, et puis, hein, d'abord, Philippe, là, ça est un tout le monde, parce qu'il ne faut pas dire le contraire, tout le monde dira ah, la mobilette, n'importe quoi, ça ira jamais sur ce cheval-là, mais en attendant, tous les chevaux qui montaient gagnaient. Avec la preuve, il était étrillé d'or, donc c'est pas un hasard. Il était très grand cavalier, hein, parce qu'il était, voilà, il a été devant les autres, il a compris cette façon de monter là avant les autres, hein, et puis ben, il a très bien fonctionné grâce à ça. Donc, Mais toi, il t'a tué un peu. Ben, moi, cette moto d'avant, elle t'a tué. À moi, ouais, mais j'arrivais déjà sur le déclin, puis il n'y avait pas grand chose à faire tuer, je veux dire. Ouais, non. Il y en a d'autres à qui ça a peut-être fait mal. Mais bon, c'est pareil, c'est des gars qui arrivaient sur la fin. Est-ce que tu as voulu t'y mettre à monter? Ouais. Bah, sur les conseils de Philippe, d'ailleurs. Sur les conseils de Philippe. Parce que c'est. Philippe, j'ai travaillé avec lui chez Monsieur le Doyen. Hein, il était apprenti à Graigne et puis moi j'étais employé, donc on se connaissait, quoi. On se connaissait, et puis bon, bah, quand vous connaissez un gars qui réussit bien, bah, ça, c'est toujours bien, même si on préfère que ce soit nous. Mais c'est bien. C'est un bon gars, ça, c'est un bon mec, Philippe, en plus. Je lui avais demandé une fois, parce que j'ai commencé à le faire, voilà, fallait bien essayer quelque chose. Tiens, je vais essayer. Puis j'y arrivais pas, ça me faisait mal aux hanches, surtout moi, les hanches. Et lui m'avait dit, il faut absolument que tu t'y mettes. Ça peut passer, mais faut que tu rentres dedans, quoi. N'aie pas peur de te rentrer dedans. Bon, ben, attends, je vais le faire. Hein, je me suis mis à trotter toute la semaine, 5-6 chevaux tous les matins, monter. Bon, bah, au bout de 3 jours, je marchais plus. Donc, bon, j'ai dit, c'est bon, c'est pas mon sport, j'arrête. J'avais pas, d'une, la clientèle extérieure. Il y avait des jockeys bien meilleurs que moi pour prendre les meilleurs chevaux. Hein. Moi, je suis toujours passé derrière les bons jockeys. J'ai monté assez longtemps, hein, pendant. Oui. Je n'ai pas gagné beaucoup de courses. Je sais pas, j'en ai peut-être 150 montées de gagner. Hein. Donc, je passais toujours derrière les bons. S'il y en avait un de temps en temps qui traînait, je le prenais, mais c'était vraiment un coup de chance, quoi. Hein. Ce serait pas un petit complexe d'infériorité? Ouais, peut-être, ouais. Non, mais il n'y a qu'à regarder le palmarès, hein. C'est ce qui s'est passé. Hein. Je mens pas. Hein. Non. Non, c'est ce que je ressens, hein. C'est ce que je pense. Hein. D'abord, c'est pas compliqué. C'est comme je te disais tout à l'heure, le bon entraîneur est celui qui a de la chance, il ne va pas mentir toute sa vie. Le bon jockey ou le bon driver, c'est pareil. Il peut être en chance une certaine période. Disons, celui-là, il mène, puis 2 ans après, ouais, finalement, il menait parce qu'il avait les engins. Mais maintenant qu'il les a pu ou qu'il a redescendu un petit peu de régime, ben voilà, non, il n'était peut-être pas si bon que ça. Bon, ben voilà, moi, si j'avais été bon, ça se serait su quand même. Alors, elle finit pas le savoir, tu peux pas passer éternellement ta vie sans. Tu as gagné presque 600 courses. Ouais, je sais bien, mais. C'est pas un hasard. Non.
Non, mais bon, non, mais je parle pas, non, mais pour le monter, je parle. Ouais. Hein, j'ai monté très longtemps, puis voilà, j'ai dû en gagner 150, bon, et je me suis acharné pour les gagner, les 150. Hein, parce que si j'avais été soit riche, soit bien installé, j'aurais arrêté bien avant, parce que je voyais bien, je faisais le fanfaron, voilà, il fallait que j'en monte 50 pour en avoir une, tiens, qui a un peu de chance. Alors de temps en temps, tu as une bonne période, tu vas en péter 3-4 de suite, bon, voilà. Mais sinon, non, les bonnes cartouches, tous les ans, vont au meilleur, c'est normal. Et donc ils sont 10 jockeys, maintenant, avant, après, ça sera toujours comme ça. À mon époque, voilà, moi quand j'ai commencé à ce métier-là, moi les gamins, on était à l'école de Grey, on baillait devant les Yves Dreux, les Michel Lenoir, les BKR, les Laurent, les bon, Jean-Marie Monclin, tous ces gars-là, ils nous faisaient rêver parce que c'était des super cavaliers. Quand on a commencé à monter en course, ils étaient là. 10 ans après que je montais toujours des gens, ils étaient encore là. 20 ans après, ils étaient encore là. Alors bon, je veux dire par là que ça laisse pas beaucoup de place à tout le monde, quoi. Donc si t'es bon, eh ben tu le fais savoir. Et puis on commence à t'en donner, quoi. Moi, les bons qui sont sortis à mon époque, c'est Dersoir, Abrivard et tout. Bon, ben, ils ont monté des champions, ils ont gagné des Cornuliers, ils ont gagné. Moi, j'en ai pas gagné. Donc voilà, ils étaient bien meilleurs que moi, tout simplement. Donc tu peux pas. Si j'avais été bon, ça se serait su. Bon, ben nous, la chance, c'est qu'on pouvait pas tomber, nous, parce que plus bas, on pouvait pas y aller. Bon, mon père, il m'a juste donné l'heure, c'est tout. C'était la seule chose qu'il avait à me donner, c'était l'heure. Puis des coups de pompe au cul, c'est tout. Donc, hein, vous travaillez cheval, vous dormez cheval, il va falloir vouer sa vie à ce métier-là. Si vous... Je ne sais pas si je n'ai pas emmené une fois mes enfants à l'école de ma vie. Pas une fois de ma vie. J'en ai un qui a 20 ans aujourd'hui, l'autre qui en a 17. Merde, le con, ils sont déjà partis et puis j'ai rien vu moi. J'ai tout mis dans mon métier. Bon, bah ouais. On gagne des courses tous les ans, voilà, j'arrive à, c'est pas à la rue Michel, mais bon, on arrive à joindre les deux bouts. Maintenant, ce que j'en voudrais un, à moi, qui soit bon, de ce niveau-là. Voilà.